moment du tournage de cette vidéo, nous ne savions pas que nous allions être de nouveau confinés et que les petits sorciers n'allaient pas pouvoir venir chercher les friandises. Prenez soin de vous, les gaufrettes. Salut les gaufrettes. C'est aujourd'hui qu'il va falloir surveiller ses arrières. Eh oui, petits monstres et sorciers vont arpenter les rues. Il va falloir préparer bonbons et friandises pour ne pas avoir de sortilège. Et on devait aussi tester notre nouvel ami, le Cake Factory. Eh bien, c'est l'occasion rêvée. C'est parti pour un gâteau spécial Halloween. Découvrons-le ensemble avec le jeu de cette semaine. Plus de détails sur le Cake Factory en fin de vidéo. On se lave les mains et... Direction cuisine! Pour le cake, il faudra 200 g de chocolat noir, 60 g d'huile de coco spéciale cuisson, 4 œufs, 40 g de sucre, 80 g de farine, un sachet de levure chimique et une cuillère à café d'arôme de vanille. Je fais fondre le chocolat et l'huile de coco dans le moule spécial, mode P5, pendant 10 minutes. Dans un cul de poule, je mélange les œufs et le sucre. J'ajoute le chocolat fondu et je mélange à nouveau. J'ajoute la farine, la levure et l'arôme de vanille. Je mélange encore. Je verse la préparation dans le moule anti-adhésif. Et je programme le mode P1 pendant 25 minutes. Je laisserai refroidir avant de démouler. Pour l'araignée, il faudra 150 g de beurre, 100 g de chocolat noir, 140 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, 100 g de sucre et 4 œufs. Je fais fondre le chocolat et le beurre dans le moule spécial, mode P5, 10 minutes. Dans un cul de poule, je mélange la farine, les œufs, le sucre et la levure. Je rajoute le chocolat et le beurre fondu à la préparation, puis je mélange pour obtenir une pâte homogène. Je répartis la pâte dans le moule à muffins en remplissant les alvéoles aux 3/4. Ça part en cuisson, mode P2, pendant 20 minutes. C'est parti pour une transformation terrifiante. Il faudra quelques chamallows blancs, 100 g de chocolat noir, quelques mikado d'Ain, des yeux, quelques vermicelles au chocolat. Je fais fondre les chamallows au micro-ondes. J'étire les chamallows pour en faire des toiles que je pose sur le gâteau. Thank you.
Je fais fondre le chocolat au micro-ondes et trempe le muffin dedans. Je recouvre le dessus de vermicelle chocolat, place les yeux, puis les mikados pour former des pâtes. Oh, Burk, une araignée sur un gâteau. Mais elle est inoffensive, celle-là. Alors, ce Cake Factory, il vous a plu? C'est un four à chaleur confiné qui a de nombreux avantages. Gâteau inratable, consommation électrique réduite et moins de chaleur répartie dans la pièce. Et dans le sud, l'été, c'est appréciable. On peut également y faire des recettes salées. On vous montrera une prochaine fois. En attendant, notre séance est terminée. Ne mangez pas trop de bonbons et attention aux caries. On se retrouve dans 2 semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo.